Justement, on se retrouve pour la vidéo. Alpha Mendes pour continuer au Barça. Et donc, on va donner les toutes dernières infos. Juste avant de commencer la vidéo, je vous donne un maximum de likes pour soutenir les abonnés à ma, si ce n'est pas déjà fait. Donc, objectif serait de dépasser les 100 likes dans cette vidéo-là. Donc, si vous le faites, ça va me faire vraiment très plaisir. Donc, voilà. Alors, Coutinho qui pourrait aller au Barça, vous savez très bien que je vous en parle très souvent parce qu'on me demande tout le temps est-ce que Coutinho va venir au Barça, c'est quoi les dernières infos, tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les dernières infos et elles sont positives, les infos, surtout du côté du Barça. Et je vais vraiment être vraiment, je vais vraiment donner toutes les infos, vous allez voir que ça va être très complet aujourd'hui. Donc, alors comme ça, vous savez mieux. Donc, le Barça. Veut clairement l'acheter au mercato hivernal. On s'en lance un petit peu plus maintenant et on sait que le Barça veut l'acheter au mercato hivernal. Moi j'avais dit soit l'acheter au mercato hivernal, soit au mercato estival. Au final, non, le Barça le veut vraiment au mercato hivernal, c'est-à-dire en janvier 2018. C'est dans pas si longtemps que ça, dans quelques mois. Donc c'est déjà une très bonne chose ça. Et donc, on parlerait donc de négociations qui commenceraient la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, le Barça va commencer déjà à contacter Liverpool pour négocier encore une fois. Et là, voilà quoi, ils vont tout faire pour le faire venir. Coutinho, en ce moment, c'est un joueur qui... On sent bien que mentalement, il a été meurtri. Enfin, meurtri, pas meurtri, c'est un petit peu trop gros mot, mais il a été un petit peu... enfin, je sais pas, mais en tout cas, on ressent sur le terrain qu'il s'est plus le même Coutinho. Enfin, certes, il est décisif, si on regarde que ses statistiques depuis le début de la saison, il est décisif, il met ses buts, tout ça, et ok... Mais c'est plus le même avec des dribbles, tout ça, avec le sourire, tout ça. C'est plus trop le même. Moi, je pense vraiment que Coutinho, pour sa carrière et pour son bien, il doit aller au Barça. Il a fait déjà assez d'années à Liverpool. Liverpool se doutait bien qu'il n'allait pas rester toute sa vie à Liverpool. Mais après, en ce qui concerne les infos de Liverpool, dans la presse anglaise, on parlerait que Liverpool va... Enfin, c'est pas que Liverpool, mais en tout cas, la presse anglaise veut tout simplement... que Liverpool fasse tout pour le garder. Ils veulent pas du tout le laisser au Barça parce que c'est simplement leur meilleur joueur. Même si Mané et Mohamed Salah font de super matchs, pour moi, il faut même pas réfléchir. Le meilleur joueur de Liverpool, c'est très très largement Coutinho. Et donc voilà. Après, comme je l'ai déjà dit, si Coutinho vient au Barça, le but serait de le faire jouer en 4-2-3-1. Avec les gardiens, vous connaissez la défense type. En milieu récupérateur, Busquets, Rakitic. Et bon, après, ça pourrait être Paulinho, tout ça, des fois, le poste de Rakitic. Et après, en 10, Messi, à droite, Dembélé, et à gauche, Coutinho. Déjà, il faut surtout pas oublier que Dembélé, depuis tout ce temps, il est blessé. Et quand Dembélé reviendra, ça va être déjà mal. Alors, imaginez-vous si on pouvait mettre ensemble Dembélé et Coutinho. Moi, je pense vraiment que ça pourrait être une bonne chose. Et bien sûr, ça reste en pointe. Voilà. Mais après, moi, personnellement, je suis pas trop fan de cette compo-là. Parce que Rakitic, en milieu récupérateur, tout ça, c'est pas si bon que ça. Franchement, je sais pas. Je sais que ça pourrait faire le taf, mais face aux grosses équipes, tout ça, ils pourront aller les chercher défensivement. Parce que Rakitic, il sait pas très très bien défendre. Il sait défendre en tant que milieu relayeur, il défend bien en milieu normal. Mais en tant que milieu récupérateur, je pense qu'il aura un petit peu de mal. Après, Messi aussi très bien, il va pas défendre. Coutinho, il va un tout petit peu défendre. Et Dembélé, un tout petit peu, quoi. Mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais après, Coutinho, s'il vient au Barça, il y aura plein de possibilités. On pourra aussi le faire jouer en tant que milieu central simple à la place d'Iniesta. On pourra le faire aussi jouer, je sais pas moi, on pourra même tenter une fois. Parce qu'il serait que Suarez, début de saison, il a mis que 3 buts. Pour comparer avec Messi, il en a mis 15. C'est une petite comparaison comme ça. Mais pour vous dire que Suarez, normalement, il est toujours à les 5-6 buts de moins que Messi. Mais là, il est vraiment à 12 buts de moins. C'est quand même une très haute. Même si Messi il a fait un début de saison exceptionnel, je pense que Suarez aurait pu quand même mettre plus de buts. Et je pense que pour, si Coutinho vient, moi je pense que pourquoi pas Ernesto Valverde tenter une fois Messi en pointe, à gauche Coutinho, à droite Dembélé. Je pense que ce serait tentable. Après, dites-moi dans les commentaires pour vous, est-ce que vous voulez encore Coutinho au Barça? Moi, ça fait à peu près un peu plus de deux ans que le Barça veut absolument Coutinho. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Moi, je trouve que c'est anormal. Enfin, c'est anormal. C'est pas normal. Les équipes comme Manchester City, Manchester United, Real Madrid ou quoi, ils veulent un joueur. Ils se font respecter directement. Ils l'ont directement. Il n'y a pas à chercher le Barça. Ils ont beaucoup trop de mal à recruter. C'est un truc de ouf. Bien sûr, ils veulent recruter à un bon prix. Ils attendent le bon moment. Mais il faut vite les joueurs. Là. Il faut vite avoir un effectif parfait. Parce que le milieu de terrain de Barça, tout ça, ça commence quand même un minimum à vieillir. Et il faudra vite rajeunir. Et puis, Coutinho, là, il arrivera sur ses 26 ans. Il est encore jeune, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, quoi, faut mieux le prendre maintenant que l'année prochaine. Ou quoi, hein. En plus, il faudrait un petit peu que ça date, tout ça. Donc voilà. Moi, mon avis sur Coutinho, je vous dis, pour moi, Coutinho,
Il rentrerait parfaitement dans le style de jeu du Barça. Il fera très plaisir. Aussi, pour Messi, ça va être bien. Parce qu'avant, il y avait Messi et Neymar pour tirer les coups francs. Maintenant, Messi, il est un petit peu seul. Bon, il a raclé tout ça, mais c'est pas le même niveau. Et Coutinho, au niveau des coups francs, il est exceptionnel. Il pourra même tirer les corners, tout ça. Il pourra tout faire. Franchement, il est très très fort, Coutinho. J'espère bien qu'il viendra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça me sert. Comme je l'ai dit, objectif 100 likes. Et puis sinon, moi, je dis peace.